Bonjour Compiègne, bonjour mon petit Jean-Paul, bonjour Patrick, comment ça va bien? Eh bien écoutez, sous le soleil de Compiègne, quel plaisir de vous revoir sur cette place pavée, les premiers pavés de l'édition de Paris-Roubaix, 117e, dis donc mon petit Jean-Paul. Dépêche le salon petit Jean-Paul, il est bien accompagné et pas par n'importe qui. Il est bien accompagné, je vous le confirme, c'est un sprinter. Éric Vendeur de Poule, dossard numéro 9, effectivement, l'as de la balustrade. Et nous avons un troisième concurrent, mon petit Jean-Paul, parti. Tout près, juste derrière sa roue, du dossard numéro 77, mon petit Jean-Paul. Effectivement, Patrick, quel événement, le dossard 77 des enfants. Il ne rechigne jamais à faire des petits selfies, des autographes. Il s'arrête sur le bord de la route. C'est notre bien-aimé coureur, Laurent Mignon. Laurent Mignon, dossard 77, qui aime bien faire le coup, mon petit Jean-Paul. Eh bien, je pense que nous sommes bien installés pour profiter de cette nouvelle échappée de chasse patate avec un peloton qui se retrouve, mon petit Jean-Paul, qui est à quelques minutes derrière, mon petit Jean-Paul. Alors, je suis avec le peloton, effectivement, et est en train de se retrouver.
le breton. Il y a de la mousse à faire passer son vin. Allez, allez, tu les filles, Rino, tu es comme un beau. C'est la tête et les jambes de celui-là. Quand c'est de le bouchon, d'un beau cidre breton. Il y a de la mousse à faire passer son vin. Vous connaissez l'Espagne ? Un endroit où il y a du soleil. Bonjour les chasse-patates. Bonjour. Là vous êtes de retour sur le Paris-Roubaix. Oui, avec grand plaisir. À Compiègne. Alors, est-ce que ça vous plaît? Ah bah ouais, on est enchanté. Vous êtes enchanté? On aime bien le vélo. Et en chantant. Alors comment ça vous est venu les chasse-patates? Alors tout simplement, en fait, le terme chasse-patate, je vais laisser la parole tout de suite à nos deux commentateurs speakers, les deux meilleurs commentateurs speakers, Jean-Paul Chêne et Patrick Chapat. Alors le terme chasse-patate. Petit Jean-Paul, je pense que nous avons une question quiz à l'instant même. Le terme chasse-patate en quelques mots, petit Jean-Paul. Oui, bah, en quelques mots, ça va être compliqué, Patrick, car vous savez, j'ai souvent l'habitude de faire quelques romans pour combler les petites coupures de réseau. Donc je vais faire très vite. Cependant, je souhaite saluer toute la compagnie et je reviens à votre question, Patrick. Ah, ça, c'est bien ça. J'étais un petit peu, comment dirais-je, inquiet, mais voilà, nous sommes tout oui. Donc alors, pour faire simple, être en chasse-patate, c'est être intercalé entre un ou plusieurs échappés et le peloton. En fait, c'est-à-dire que c'est les gens qui montrent souvent leur beau maillot, parce qu'ils ont quand même des sacrés beaux maillots. Ceci dit, ils ont souvent peu de chances de passer la ligne d'arrivée en tête. Voire même aucune. Ça arrive. Déjà arrivé. Et donc de ce fait, en fait, voilà. nos chers commentateurs nous ont vus, nous étions assez fans de musique et eux fans de vélo, et nous avons réuni ces deux passions pour créer ce groupe qui s'appelle les Chasse-Patates, en se disant, bah tiens, nous non plus, nous n'arriverons jamais à franchir ces sommets de la gloire. Les sommets de la gloire. Voilà, donc du coup, nous faisons ça pour la prospérité. Voilà, tout simplement. Et nous sommes tous, quelque part, mon petit Jean-Paul, on peut le dire, des Chasse-Patates.
Voilà, philosophiquement, on s'attache un peu. On peut le dire. C'est devenu un mode de vie pour nous. On aime montrer le maillot, quoi. Tous les jours, au petit déjeuner. Et donc, voilà, tout le temps. C'est vrai qu'on mange le maillot. Maintenant, on vit ensemble. Donc, il y a Eric Vendeur de Poule à ma gauche, Guillaume Traîneur derrière moi, Jean-Bernard François qui est ici, nos sœurs Longo, donc Jeanne, Janine et Jeannette. Jeannette, je crois qu'elle est arrivée tout à l'heure. Elle est partie. Voilà, je crois qu'elle est arrivée. Voilà. Donc, et nos deux commentateurs, et voilà, nous avons pris. Donc, vous êtes deux guitaristes. Voilà, lui, c'est des grosses cordes. Voilà, lui, c'est une. J'ai curlé que quatre. Il a quatre rayons à sa guitare. Lui, il a six rayons, six. Mais il joue avec huit pédales. Voilà. Et vous vous déplacez un peu partout dans toute la France ou... On essaye. Ou on nous demande, on voilà, va. C'est là. Voilà. D'accord. On nous demande, on va. On y va. Et vous avez déjà fait le Tour de France? Enfin, le Tour de France... À vélo ou... Non, en voiture, moi, pour le Tour de France... Ah, pour le Tour de France. Non, pour le Tour de France. Pas encore, mais c'est bah, un petit message, là. Si vous avez besoin d'un beau concert sur le bord des routes, les chasse-patates sont là. Donc, n'hésitez pas. Absolument. Ils ont une page Facebook. Facebook, la page Facebook Les Chasse-Patates. Hein. C'est ça, voilà. Facebook Les Chasse-Patates. Voilà. Et vous pouvez les contacter. C'est des gars très, très, très sympathiques. Ça n'engage que très vous. Très agréables. Et surtout, ils font de très belles chansons et ça joue très, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous et bon concert. Merci. Merci. À bientôt sur les routes. Sur les routes. Bye bye. Bye. Le biquet, c'est beau. Jean Robic, c'est moi. Jean
sur Freddy Vélo, tu n'auras plus, non, jamais plus, jamais les mères à faire le coup. Freddy Vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Freddy Vélo, tu n'auras plus jamais le nom à la dent. Thank you.